principalement un haul au Primark et j'ai acheté deux, trois petites choses que je voulais vous montrer. Alors, premièrement, j'ai acheté des petites chaussures. Alors, ça, je m'en sers comme chausson. Alors, ça vient du marché. Voilà, donc c'est assez gros. Donc, pour la maison, c'est vraiment top. Voilà, vous avez un petit nœud marqué fashion, genre un petit velours gris. Mais ça me sert de chausson là pour les beaux jours. Donc ça, c'était 10 euros. Et ensuite, j'ai pris trois paires avec des nœuds comme ceci. Voilà, elles sont un peu plus fines. Là, pour cet été, ce sera top. Donc c'est pareil, c'est un nœud. Ce sont des sandales avec un nœud noir. Donc pareil, 10 euros. J'ai pris aussi en doré. Voilà, donc ça c'est pour l'été, ça c'est plutôt pour sortir cet été. Et j'ai pris en argenté. Voilà, bon après il faut aimer, mais moi j'aime bien tout ce qui est fait un peu bling bling, tout ce qui est paillettes. Voilà, donc voilà, bah, chacun ses goûts, hein. Moi j'aime bien. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai repris une cure de Forcapil. Formule fortifiante pour cheveux et ongles. Alors, je vais vous montrer. Alors, 3 plus 1 offert. Je vous montre la cure. Alors, vitalité. Alors, c'est pour cheveux et ongles. Vitalité, brillance, force. Dedans, vous avez de la cystine, de la méthionine, de la biotine, complexe vitamine D, vitamine B, vitamine D et zinc. Programme intensif 3 mois, c'est 2 gélules par jour le matin au petit déjeuner. Vous avez une cure de 3 mois plus 1 mois offert. Voilà. Donc ça c'est bien à faire au printemps et donc c'est de la marque Arco Pharma. C'est bien de le faire au printemps et à l'automne où on a tendance à perdre un petit peu ses cheveux. Donc la cure de Forcapil m'a coûté 21,90 €. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, ça coûtait une trentaine d'euros. Ça coûtait presque 35 euros. Après, tout dépend de votre parapharmacie. Mais là, elle a coûté, vous avez 180 gélules, donc pour les 3 mois, plus 60, ça a coûté 21,90 €. Donc je trouve qu'ils ont baissé les prix et je l'ai déjà testé. Je peux vous dire que vos ongles poussent super vite, ils sont durs et les cheveux sont plus... Vous les perdez moins si vous les perdez un peu, ils sont plus brillants. Voilà, comme j'ai fait des mèches en plus. Voilà, une petite cure, ça fera pas de mal. Donc voilà pour ça, hein, les petites chaussures. Bon, ben, après, faut aimer. Hein, mais pour cet été, c'est top. Et maintenant, on va passer à Primark. Donc c'est parti. Alors je mets tout ça à côté de moi. Alors je prends, comme ça vient, je n'ai pas acheté de make-up. J'ai été raisonnable. Alors premièrement, j'ai pris un short parce que j'en avais pas du tout. Alors vous allez dire, ça fait un peu rose Barbie, mais moi j'aime bien. Voilà, ça change avec un petit haut blanc. Et pourquoi pas les petites sandales, les petites sandalettes noires, ça peut faire sympa. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est un petit jean. Par contre, la taille, ça m'a l'air un peu grand. Je l'ai pris en 38. Mais il y a possibilité, vous voyez, de mettre une ceinture. Donc au départ, il était à 13 euros et là, il est passé à 7 euros. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous marque taille haute, je crois. Je ne sais pas ce qui est marqué. Il me semble que c'était taille haute. Bon, ça a l'air d'être de la qualité. Original qualité, c'est Denim & Co. Il y a souvent cette marque-là chez Primark. Standard. Voilà, ça a l'air. C'est quand même un peu épais. Hein. Voilà, bon. Vous avez l'effet déchiré, comme ceci. Et derrière, j'ai vu les petites poches. Ça fait un peu effet comme s'ils étaient légèrement déchirés. Voilà. Moi, j'avais pas du tout de short. Et je me suis dit, cet été, quand il va faire très chaud, pour chez moi ou pour les vacances, ce sera top. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu Barbie, mais moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. J'en avais pas. Pareil, j'ai fait beaucoup de tri dans mes vêtements. Il me fallait des leggings. Alors, j'en ai pris deux. J'ai pris un gris tout simple comme ceci. Voilà.
Voilà, un leggings vraiment basique, hein. Il était à 3 euros, tout en coton, taille S. Voilà, tout à 3 euros, tout simplement, gris, basique, hein, rien d'exceptionnel. J'en ai pris un noir qui était à 5 euros. Voilà, un noir basique, taille haute. Tout est taille haute. Moi, j'aime pas les tailles basses. Mais de toute façon, les leggings, c'est toujours taille haute. Toujours en S. Celui-ci, par contre, était à 5 euros. Était plus cher que l'autre. Voilà, c'est noir, basique. Voilà. Ensuite, j'ai pris comme un grand t-shirt. Je me suis dit pour mettre avec le leggings. Enfin, ça, c'est surtout quand il fera très chaud. Voilà, ça fait un peu comme une tunique. Voilà, c'est rose comme ceci. Rose un peu fuchsia, vous voyez. Alors, pour porter, voilà, comme ceci, vous voyez. Ça arrive. Ouais, c'est quand même court, hein, mi-jambe. Ça arrive aux cuisses, tout simplement. Donc, il faut le porter avec un leggings. Voilà. Donc, j'ai pris de cette couleur-ci, fuchsia. Et celui-ci, c'était en taille S. Ils appellent ça long line vest. Donc, c'est un grand t-shirt, hein, tout simplement. Et je l'ai payé 4 euros. Donc, c'était vraiment pas cher. Voilà, avec un petit leggings. Pourquoi pas, hein. Une paire de baskets. J'ai des paires de baskets roses. Et ensuite, j'ai pris encore un pyjama, vous allez me dire. Mais là, c'est un pyjama short. Voilà, il se présente comme ceci, avec des petites cerises. C'est marqué mon chéri, un petit peu jeu de mots comme les chocolats. Voilà, avec c'est un peu les cerises pailletées. Et avec, vous avez le short. Voilà, comme il va faire normalement, il prévoit un été assez chaud, vous voyez. Avec un short, alors ça c'est un pyjama. Et je l'ai payé 6 euros. Voilà, j'ai pas pris de pyjama Disney. Hein. Voilà, donc il est vraiment très joli, hein, le petit short. Il est élastique. Bon, le petit nœud, c'est pas fait pour serrer, hein, c'est juste une déco. Hein. Moi, j'ai bien aimé le petit t-shirt. Il est vraiment très très beau. Même pour rester chez soi, quand il fera très chaud avec le short. Hein. On peut rester chez soi avec aussi. Hein. Ensuite, j'ai pris. J'ai pris une brosse adhésive comme ceci. Ils appellent ça Lint Roller. Vous avez 19 mètres apparemment. Voilà, une brosse adhésive. J'en avais presque plus. J'avais peur d'oublier d'en prendre pour les courses. Enfin, sur ma liste de courses, tout simplement. Qu'est-ce qui nous marque? Rouleau anti-peluche. Voilà, ce sont des rouleaux adhésifs. Voilà, ils appellent ça licorne, je crois. Alors, vous avez donc le rouleau avec le manche rose et une recharge, tout simplement. Et le prix, c'était 1,50 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Par contre, ils disent pas combien il y a de feuilles. Ils disent juste 19 mètres. Bon, enfin, bref, hein, ce sont des rouleaux adhésifs. J'ai pris un petit stylo licorne. Alors ça, je pense que je vous le glisserai dans le concours. Allez voir ma vidéo qui est valable jusqu'au 1er juillet. Voilà, j'ai pris un petit stylo licorne. Je vous ai dit que je vous glisserai une petite surprise. Ça, c'était 1 euro. Je vais voir si je ne veux pas rajouter d'autres petites choses aussi. Donc, c'est la couleur pink. C'est une petite licorne à 1 euro. Alors, je ne vais pas l'essayer, mais je pense que ça écrit noir ou bleu. Hein. C'est pas marqué dessus. Juste pink. C'est pas marqué si ça écrit bleu ou noir. Donc, je l'ai trouvé très très sympa. Il y avait pas mal de petits cahiers, mais j'ai été raisonnable cette fois-ci. Et ensuite, dernier article. Désolée pour le bruit. J'ai repris un rangement acrylique. Alors, je ne vais pas le mettre au-dessus de ma coiffeuse parce que sinon, il n'y aura plus de place. Je vais le mettre vers mon lit. Voilà, donc j'ai pas pris comme la dernière fois où il y avait deux mini tiroirs comme ceci avec, non, les miens.
Ce sont deux fois deux tiroirs coupés en deux, vous voyez? Voilà, deux grands tiroirs. Là, j'ai pris des tiroirs, mais en longueur. Voilà, pour ranger des palettes. Je me suis dit, ce sera mieux. Voilà, et le prix, bah, c'est pareil que la dernière fois, c'est 12 euros. Voilà, il y en avait des moins chers à Action, mais moi, à chaque fois que j'y vais, je les trouve pas. Donc, après Primark, je savais qu'ils en avaient. Moi, je trouve que c'est pratique pour ranger des petites palettes, enfin, des petites du maquillage et autres. Donc, eh ben, écoutez, c'est tout pour mon haul Primark et autres. J'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de me suivre sur mon Instagram. Tout, déroulez bien la flèche. Allez bien en dessous pour dérouler, pour voir mon Instagram, mon Snapchat, etc. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye!